بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Séance numéro 2 sur le cours de translation, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On corrige maintenant notre exercice d'application de la séance précédente. ABC est un triangle tel que la distance AB est égale à 6 cm. La distance AC est égale à 5,2 cm et la distance BC est égale à 4,8 cm. E, F et G sont les images respectives de A, B et C par une translation T du vecteur MN. Petit a, tracez la figure. Petit b, calculez les distances EF, EG et FG. Réponse. Petit a, figure. On va tracer notre triangle ABC suivant les conditions qu'on a. La distance AB est égale à 6 cm, donc je vais prendre un segment de longueur 6 cm. 6, je marque ici 6, ok. Ok, donc j'ai mon segment AB de longueur 6 cm. AC est égal à 5,2 cm. Donc je vais prendre 5,2 ici, 5,2. Voilà. La distance AC est égale à 5,2. Donc je vais mettre ici un arc de cette façon-là. Et puis, je vais tracer un autre arc. On a la distance BC est égale à 4,8. Donc je vais marquer ici 4,8. Je l'ai maintenant. Et je vais prendre cet arc de centre B et de rayon 4,8. Maintenant, j'ai mon point C. Donc je peux continuer tranquillement le traçage de mon triangle ABC. Je vais marquer ici les distances. AB est égal à 6 cm. AC est égal à 5,2 cm. Et BC est égal à 4,8 cm. Je vais m'assurer de mes distances maintenant avec le compas. Vous voyez 6, et ici 4,8 et ici 5,2. Maintenant, je trace mon vecteur de translation. Par exemple, celui-là, le vecteur MN. Je marque ici le point M et ici le point N. Voici mon vecteur de translation. Donc, je vais tracer E, l'image de A, par la translation T du vecteur MN. Donc, le vecteur AE est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur MN. Puisque E est l'image de A par la translation T du vecteur MN. Donc j'ai mon premier point. Je vais le marquer en vert. Voilà. Ça c'est mon point E. E est l'image de A par la translation T du vecteur MN. Maintenant, je vais tracer F, F l'image de B par la translation T du vecteur MN. Donc je vais prendre mon vecteur de translation. Je fais cet arc de cette façon-là. Je prends cette distance. J'utilise toujours le parallélogramme pour tracer mes points. Voilà, ça c'est mon point F. F est l'image de B par la translation T du vecteur MN. Il me reste le point G. G est l'image de C par la translation T du vecteur MN. Voilà. J'ai maintenant mon point G. Le voici. Maintenant, je peux tracer mon triangle EFG. EFG.
Passons maintenant à la deuxième question. Calculons la distance EF. À ton avis, comment on va connaître cette distance? Oui, en utilisant une propriété que vous connaissez dans notre cours de translation. Laquelle? Oui, c'est que la translation conserve quoi? Oui, elle conserve la distance. L'image du point A par la translation T du vecteur Mn, c'est E. Et l'image du point P par la translation T du même vecteur Mn, c'est F. Donc, que peut-on conclure? Oui, on conclut que la distance EF est égale à la distance AB. Pourquoi? Oui, parce que, je viens de le dire maintenant, parce que la translation conserve la distance. Or, la distance AB est égale à combien? Oui, est égale à 6 cm. Donc, la distance EF est égale aussi à... Oui, est égale aussi à 6 cm. Donc, je vais écrire cette démonstration. E et F sont les images respectives de A et B par la translation T, par la translation T du vecteur MN. Donc, la distance EF est égale à la distance AB, car la translation conserve la distance. Car la translation conserve la distance. Or, la distance AB est égale à 6 cm. Alors, la distance EF est égale aussi à 6 cm. Maintenant, calculons EF et FG. Je vais les calculer toutes les deux à la fois, ces deux distances. Calculons EF. Non, j'ai déjà calculé EF. EG et FG. EG et FG. Bon, de la même manière, on montre que c'est pas la peine de refaire la même démonstration. De la même manière, on montre que EG, la distance EG est égale à AC, puisque E et G sont les symétriques, sont les images respectives de A et C par la translation T du vecteur MN. Et aussi, la distance FG est égale à la distance BC, puisque F et G sont les images respectives de B et C par cette translation. Donc, la distance EG est égale à la distance AC et la distance FG est égale à la distance BC. Et j'ai la distance AC et j'ai la distance BC. Donc je peux trouver facilement EG et FG. Donc je vais écrire ça de la même manière. De la même manière, on montre que la distance EG est égale à la distance AC et la distance FG est égale à la distance BC. Or, AC est égal à 5,2 cm.
Et BC est égal à 4,8 cm. Alors, AC, ou bien EG plutôt, EG, qui est égal à AC, EG est égal à 5,2 cm. Et FG est égal à 4,8 cm. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de Latif F2 du collège Bourg Zeitoun, Marrakech. Au revoir. Je m'excuse, je n'ai pas terminé mon cours. Je viens tout simplement de corriger un exercice d'application. Donc, je vais continuer mon cours. Je croyais que je corrige un exercice, mais cet exercice fait partie du cours que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais continuer. Prenez votre cahier de brouillon. Maintenant, nous allons étudier les images de certaines figures géométriques. Par une translation. Je vais commencer par la droite AB. Je vais étudier son image par la translation T du vecteur OI, que vous voyez ici. Je vais commencer par chercher l'image du point A et l'image du point B par cette translation. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et tracez cette figure. Puis, vous allez tracer A' l'image de A par la translation T du vecteur OI et vous allez tracer B' l'image de B par la translation T du vecteur OI. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on commence par le point A. Donc, je vais chercher l'image de A par cette translation. Devinez la position du point A'. Où se trouve-t-elle? Ou bien se trouve-t-il ce point? Oui, le point A' se trouve quelque part ici. Puisque les deux vecteurs A' et OI sont égaux. Donc, je vais prendre mon compas pour chercher la position du point A'. Voilà, de cette façon-là. Donc, j'ai mon point A'. A' est l'image de A par la translation T du vecteur OI. Ça, c'est mon point A'. Maintenant, on trace le point B', l'image de B par cette translation. Donc, je vais utiliser le vecteur OI de translation pour obtenir le point B'. Voilà. Maintenant, j'ai mon point B'. Maintenant, je peux tracer la droite A' B'. Allez-y, faites-le comme moi. Trace la droite A' B'. Donc ça, c'est ma droite A' B'. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, ces deux droites sont parallèles. A' B' est parallèle à la droite AB. Alors, tu peux démontrer ça. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et démontrez que la droite A' B' est parallèle à la droite AB. Ça y est, vous avez terminé? On a dit que A' et B' sont les images respectives de A et B par la translation T du vecteur OI. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que le vecteur A' B' est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur AB d'après la propriété qu'on a écrite dans notre cours. Le vecteur A' B' est égal au vecteur AB. Puisque ces deux vecteurs sont égaux, alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Oui, alors ils ont la même direction, n'est-ce pas? C'est-à-dire la droite A' B' est parallèle à la droite AB. À ton avis, si je prends un point quelconque que j'appelle M, qui appartient à la droite AB,
quelle sera son image par cette translation? Quelle sera son image imprime par cette translation? Oui, son image imprime va appartenir à quoi? Oui, il va appartenir à la droite A prime B prime. Quel que soit le point M que vous prenez ici sur la droite AB, son image par la translation T du vecteur OI, c'est un point M prime qui appartient à la droite A prime B prime. Dans ce cas, on dit que la droite A prime B prime est l'image de la droite AB par la translation T du vecteur OI. Prenez votre cahier de brouillon et écrivez cette phrase. Je répète, dans ce cas, on dit que la droite A prime B prime est l'image de la droite AB par la translation T du vecteur OI. Je répète encore, la droite A prime B prime est l'image de la droite AB par la translation T du vecteur OI. Donc, d'une manière générale, l'image d'une droite par une translation, c'est quoi? Oui, l'image d'une droite par une translation est une autre droite qui lui est comment? Oui, qui lui est parallèle. L'image d'une droite par une translation est une autre droite qui lui est parallèle, comme dans le cours de la symétrie axiale ou la symétrie centrale. Le symétrique. Oui, dans le cours de symétrie centrale, l'image d'une droite par rapport à un point, ou bien le symétrique d'une droite par rapport à un point, est une autre droite qui lui est parallèle. La même chose ici. L'image d'une droite par une translation est une autre droite qui lui est parallèle. Donc vous avez la même forme de la propriété en comparaison avec la symétrie centrale. Maintenant, si je vous demande de chercher l'image de la demi-droite AB au lieu de la droite AB, l'image de la demi-droite AB par la translation T du vecteur OI. Donc je vais tracer cette demi-droite si vous voulez bien. Voilà. L'image de la demi-droite AB par la translation T du vecteur OI, ça sera quoi? Oui, ça sera la demi-droite A prime B prime. Et l'image du segment AB par cette translation, c'est quoi? Oui, c'est le segment A prime B prime. On peut aussi dire que la translation conserve l'alignement des points. Hein? Si vous prenez des points alignés sur la droite AB, leur image par cette translation, ce sont des points qui appartiennent à la droite A' B'. Donc, on peut aussi dire que la translation conserve l'alignement des points. Maintenant, tu traces dans ton cahier de brouillon un angle AMB, comme vous voyez dans cette figure, et un vecteur U de translation. AMB est un angle du plan et U le vecteur de translation. Vous allez tracer A' l'image de A par la translation T du vecteur U. Puis, B' l'image de B par la translation T du vecteur U. Et finalement, vous allez tracer M' l'image de M par la translation T du vecteur U. Allez-y. Je répète, vous allez tracer A' l'image de A par la translation T du vecteur U. Puis B' l'image de B par cette translation. Et finalement, M' l'image de M par la même translation. Allez-y, je vous attends.
Maintenant, on continue notre figure. A' l'image de A par la translation T du vecteur U, donc le point A' sera quelque part ici, pour que les deux vecteurs soient égaux. Donc je vais prendre mon compas, je vais prendre cette distance. La voici, vous voyez maintenant, c'est facile de tracer l'image d'un point, parce qu'on a fait autant d'exemples de ce genre. Donc je vais marquer mon point A'. Voilà, c'est ce point-là. Puis B', l'image de P par cette translation. Voilà. Ça, c'est mon point B'. Puis M', l'image de M par cette translation. Maintenant, quelle est l'image de la demi-droite MA par cette translation? Quelle est l'image de la demi-droite MA par cette translation? Oui, c'est la demi-droite M' A'. Et quelle est l'image de la demi-droite MB par cette translation? Quelle est l'image de la demi-droite MB par cette translation? Oui, c'est la demi-droite M' B'. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez dans cette figure? Il y a une chose très intéressante qu'on peut remarquer facilement sur cette figure. Ça y est, vous l'avez remarqué? Oui, que ces deux angles sont isométriques. Cet angle-là et celui-là, ils sont isométriques. Donc, je vais m'assurer, à l'aide du rapporteur, qu'ils sont isométriques. Regarde. Je vais prendre là la mesure du premier angle. Vous voyez, quelle est sa mesure? C'est 56. Donc je vais d'abord, voilà, régler ça. Voilà, 57,13. Ça, c'est la mesure du premier angle MAB. Donc je vais glisser mon rapporteur et vous voyez que j'ai la même mesure. Donc ces deux angles sont isométriques. Donc je vais tracer le même symbole. Voilà. Ou bien garder le même symbole pour les deux angles. Maintenant, on peut démontrer ça. Même si la démonstration qu'on va faire, elle est oralement parce qu'on n'a pas le temps de faire d'écrire toutes les détails. Regarde ici. Regarde cette droite AM et cette droite M' A'. M' A', comment elles sont? Oui, ces deux droites sont parallèles. Et elles sont coupées par la séquence MB. Donc, quelle est la nature de ces deux angles? Cet angle-là et celui-là. Je parle de cet angle et celui-là. Qu'appelle-t-on ces deux angles? Ils sont formés par deux droites parallèles coupées par une sécante. Oui, ce sont deux angles alternes internes, formés par deux droites parallèles et une sécante. Donc, comment ils sont? Oui, ils sont isométriques. Donc, je vais ajouter le même symbole de l'isométrie ici. Entre cet angle-là et cet angle-là. Puisqu'ils sont formés par deux droites parallèles et une sécante. Donc, ils sont isométriques. Parce que vous savez qu'ils sont alternes internes. Maintenant, regarde la droite MB et la droite M' B'. Comment ils sont? Oui, ces deux droites sont parallèles. Parce qu'on a dit que M' et B' sont les images respectives de M et B par cette translation. Ces deux droites parallèles coupées par cette sécante. Donc cet angle-là, comment ils sont?
Oui, ils sont isométriques puisqu'ils sont formés par deux droites parallèles, une séquence, et ils sont alternes internes. Donc finalement, ces trois angles sont isométriques. Donc je prends l'angle AMP et l'angle A'M'B', qui sont tous les deux isométriques. Donc que peut-on dire de la translation? Qu'est-ce qu'il a conservé ici? Oui, la translation a conservé la mesure de l'angle. Donc on dit que la translation conserve la mesure de l'angle. Répète, la translation conserve la mesure de l'angle. Allez-y, écrivez cette phrase dans votre cahier de brouillon, juste au-dessous de votre figure. La translation conserve, oui, la translation conserve la mesure de l'angle, comme la symétrie centrale. La symétrie centrale conserve la mesure de l'angle. La symétrie axiale aussi conserve la mesure de l'angle. Maintenant, la translation conserve la mesure de l'angle, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons écrire notre résumé dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Petit 3, ou bien plutôt grand 3. Image de certaines figures. De certaines figures par une translation. Image de certaines figures par une translation. Et je commence par l'image d'une droite. L'image d'une droite. AB est une droite du plan et OI. Et OI, le vecteur de translation. Et OI, le vecteur de translation. A prime et B prime sont les images respective de A et B par cette translation. Figure voici notre figure. On a le vecteur A prime B prime est égal au vecteur AB. Entre parenthèses, d'après la propriété. Si A' et B' sont les images respectives de A et B par une translation, alors le vecteur A' B' est égal au vecteur AB. Donc, ils ont la même direction, c'est-à-dire la droite A' B' est parallèle à la droite AB.
l'image de tout point M appartenant à la droite AB appartenant à la droite AB par la translation T par la translation T du vecteur OI est un point de la droite A prime B prime. On dit que, si vous voulez bien, on dit que la translation conserve l'alignement des points. La droite A prime B prime est appelée l'image de la droite AB l'image de la droite AB par cette translation. Propriété l'image d'une droite par une translation. L'image d'une droite par une translation est une autre droite qui lui est parallèle. Est une autre droite qui lui est parallèle. Remarque. La première remarque. L'image du segment AB par cette translation est le segment A prime B prime. Deuxième remarque,
l'image de la demi-droite l'image de la demi-droite AB par la même translation l'image de la demi-droite AP par la même translation et la demi-droite A prime P prime. Petit b, l'image d'un angle. AMB, est un angle du plan et U le vecteur de translation. Voici notre figure. Remarque. L'angle, bien la mesure de l'angle AMP est égal à la mesure de l'angle A', M', B'. On démontre facilement que ces deux angles sont isométriques, en utilisant les angles alternes internes, formé par deux droites parallèles et une séquence. Propriété. L'image d'un angle par une translation est un autre angle qui lui est isométrique. L'image d'un angle par une translation
est un autre angle qui lui est isométrique. On dit que la translation On dit que la translation On dit que la translation conserve la mesure de l'angle. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. OAB est un triangle rectangle en haut du plan et M le milieu du segment AB. E et F sont les images respectives de A et B par la translation T du vecteur OM. Tracez la figure, puis petit b, calculez la mesure de l'angle EMF. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeitoun Marrakech. Au revoir.